Salut tout le monde, c'est Fatratz, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, on a la nouvelle saison, la saison des chasseurs. Alors on n'a pas eu de patch malheureusement avec cette saison, mais qui dit nouvelle saison dit nouveau combat saisonnier. Et donc je vais vous présenter tout ça comme à mon habitude en essayant de vous donner voilà, des petits tips pour essayer d'aller rapidement pour faire vos fragments de Wakfu. J'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas. Petit pouce bleu, abonnement et commentaire, ça soutient fortement la chaîne. N'hésitez pas à passer également sur Twitch, twitch.tv/fatratz. Ça régale. Alors, avant qu'on commence le petit combat saisonnier, déjà, je vous notifie, parce qu'il y en a que ça peut intéresser, il y a des nouveaux skins. Il y a des nouveaux skins, mesdames et messieurs. On a le kit ultime de l'écorcheur Shugen, l'expingole, le lame voracius, le juste lame brutal. Let's go! On a un petit skin sur le juste lame brutal. Ça fait toujours plaisir. Et le lame ouraille. Je les ai... J'ai acheté ceux qui m'intéressaient avec les gemmes que j'avais en réserve depuis le temps que je les gardais. Voilà, j'ai pu m'en servir. C'est deux skins très très sympas. Donc n'hésitez pas à les acheter évidemment si les skins vous plaisent. Alors oui, vous allez me dire c'est dommage, il n'y a que des skins en contenu pour le moment. Et bah, c'est un petit peu la vérité. C'est vrai que là on est dans l'attente de contenu. Et voilà, donc au moins on a des skins. J'ai envie de vous dire, on pourrait ne rien avoir. Au moins on a des skins, donc on fait avec ce qu'on a évidemment. Sur ce, c'est parti, petite présentation du combat saisonnier. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit chat faire? Un pour tous et tous contre eux, à la vie et à la mort. En franchissant ce portail temporel, vous allez incarner un trio emblématique de chevaliers. Votre objectif sera de vaincre le plus de chasseurs. Renvoyez les 6 pieds sous terre et tentez de cumuler le plus de points possible pour engranger des fragments de Wakfu et vous hisser en haut du classement. Comme vous le savez, les fragments de Wakfu s'échangent chez Kabrok et Miranda pour l'achat des spells d'Alboa et du Nécromonde. Donc voilà, je reçois pas mal de questions sur comment avoir ces sorts. Alors sachez que vous pouvez les avoir en reward sur les zones en question une première fois, en FTR, on appelle ça First Time Reward, mais qu'après vous ne pouvez plus les avoir, donc il faut les acheter, il faut passer par Kabok, vous n'avez pas d'autres solutions. Donc c'est assez important voilà, de faire ces fragments de Wakfu si vous commencez le jeu notamment. On va se faire le petit combat. Alors j'ai fait un petit test déjà sur un compte secondaire, je suis monté jusqu'à 30 000 points. Il vous faut 20 000 points maximum pour avoir 20 000 fragments de Wakfu. Donc voilà, j'ai fait le petit test là avec le compte pour vous, pour que vous puissiez vous arrêter si vous le souhaitez à 20 000 points. Voilà, sachez que vous ne gagnez rien d'autre au-dessus. Let's go, c'est parti pour la petite présentation. Alors, donc, pour ce qui est des règles, il nous faut achever tous les avortons pour faire apparaître la prochaine vague. À chaque fois qu'on va tuer un avorton, il va nous rapporter des points. Et ceux-ci ont des effets différents. Plus on avance dans le combat, plus on tue d'avortons, plus ils vont nous rapporter de points. Pour ce faire, on a trois chevaliers qui sont très très stylés. Ferrero, Oblero et Baron Romero. Ils ont chacun à chaque fois une attaque normale, mais quand vous allez attaquer, vous allez avoir un sort différent en fonction duquel avec celui que vous allez taper tout simplement. Donc pour Ferrero, vous allez gagner traverser chevaleresque. Le chevalier ciblé traverse jusqu'à 6 cases et inflige son attaque aux adversaires traversés. Le chevalier ciblé rejoue son tour, donc c'est vraiment pas mal, hein, c'est le seul qui peut rejouer son tour. On a ensuite Oblero, bon chevaleresque, téléporte un chevalier et inflige son attaque autour de sa case d'arrivée. Et pour terminer, on a le Baron Romero, ajoute le sort attaque chevaleresque à la main du joueur, 100% d'attaque au chevalier et inflige son attaque sur les adversaires adjacents. Voilà, c'est tout ce que vous avez savoir, tout ce que vous avez besoin pardon, de savoir pour ce combat. Une fois que vous savez ça, et ben vous êtes tranquille, vous êtes tranquille. Alors vous avez des moches comme ça qui pop et qui ont des effets un petit peu spécifiques. Donc là sa mort il va me donner 1500 points et les chevaliers vont pouvoir rejouer leur tour. Donc ça c'est vraiment pas mal, on aime beaucoup. On va venir taper ici comme ça, hop, et on va pouvoir faire notre petite téléportation juste ici, par exemple, et attaque chevaleresque. Voilà, comme ça, ça va nous permettre de rejouer avec nos chevaliers, et on est content évidemment de tout ça. Alors, ici, je peux venir taper comme ça, hop, avec l'explication, je suis un petit peu pris par le temps, évidemment, hein, vous connaissez. Voilà, on va taper, ici, on peut taper aussi. Et donc voilà, donc le but c'est de monter à 20 000 points, ça se fait assez vite hein, sur les premiers tours. Alors tout à l'heure j'ai fait un premier tour à 5 000 points en gérant bien vos tours, etc. En tuant bien comme il faut à chaque fois les exécuteurs, on va les appeler comme ça, ou les profanateurs. Ça vous donne des bonus, vous voyez par exemple à l'exécuteur, il va donner 3 000 points, il va donner 4 points d'action en réserve. Donc ça va être assez important de les gérer plutôt facilement. Ici, alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je peux faire attaque chevaleresque sur le frérot. Ici, on peut venir taper tranquillement.
On va taper ici. Et donc lui, on l'achève en dernier. Comme ça, je vais tout simplement pouvoir rejouer avec tous mes chevaliers. Et vous comprenez un petit peu le combo, ce que vous pouvez faire. C'est très très sympa. J'aime beaucoup, moi perso, ce combat. Hop, ici on va pouvoir faire la petite traversée. Vous voyez, on est déjà à 10 000 points, hein, c'est monté en un rien de temps. Le combat est très très simple, c'est très très cool. Vraiment ce qu'on attend d'un combat saisonnier. Là, je pourrais refaire jouer encore une fois mes petits frères d'armes. Hop, donc voilà, on va abattre et du coup, je peux rejouer. Hop. Ici, on pourrait faire une petite traversée chevaleresque. Parfait, on tue tout le monde. Ici, on va tuer également. Et ça va respawn. Donc vraiment faisable ultra, ultra rapidement. Hein. Ici, on a l'exécuteur. On pourrait se téléporter à lui. Hop, nickel. On va tuer. J'aurais bien aimé tuer, mais ça va pas être possible ici, hein. On va juste se téléporter à ce point-là. Alors, est-ce que je peux tuer tout le monde? Je peux tuer tout le monde, mais ça me fait user pas mal de sorts. Je sais pas si c'est une bonne chose ici. Je pense qu'on va juste... On va juste attendre. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Vous voyez, les 20 000 points se font extrêmement, extrêmement rapidement. C'est pas très compliqué. Il est très, très cool, très, très stylé, le combat. Donc, j'en suis plutôt satisfait, même si vous le savez... Bon, ces derniers temps, je l'ai fait peut-être un petit peu moins. Donc, vous voyez, les avortons, au fur et à mesure qu'on passe des vagues, ils rapportent plus de points. Là, on a 500 points. Et lorsqu'ils attaquent, ils se téléportent de 4 à 5 cases. Donc à vous de gérer, évidemment, au mieux tout ça. Ici, on va pouvoir se téléporter. Hop. Parfait. On va essayer de tuer un maximum d'avortons, évidemment. Je pourrais faire attaque chevaleresque directement. Comme ça, on va pouvoir rejouer. Hop. Let's go. On va traverser ici. On peut utiliser la réserve pour retraverser. Hop, juste ici. Comme ça, on peut rejouer avec tout le monde. On va essayer de monter au max. Donc là, c'est mon deuxième try, hein, avec vous. Mais vous voyez, le combat est facile à saisir, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir taper... Ah, je suis peut-être un peu plus chaud de faire ça. Hop, comme ça. Ici, on peut faire une petite traversée. Ça me semble plutôt pas mal. J'aimerais bien faire un bond avec lui. Ok. Dommage, ils sont pas très bien placés. Alors, j'imagine qu'il y a un petit peu de RNG au niveau du placement. Et on va pouvoir se placer ici. Voilà, nickel. On a tué tout le monde. Bon, on arrive sur la fin de tour. Là, on a pris notre temps. Et donc, vous voyez, là, on a les avortons qui rapportent 1000 points. Donc, c'est énorme. Et plus vous montez, plus vous allez gagner de points, tout simplement. Alors, faut jouer un petit peu vite, évidemment, mais une fois que vous êtes setup, que vous avez compris la chose, ça se passe vraiment, vraiment facilement. Et encore une fois, les 20 000 points sont faisables extrêmement, extrêmement rapidement. Je ne me suis pas chronométré, mais j'imagine que vous pouvez mettre 2-3 minutes à peine. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut taper déjà avec nos petits chevaliers. Les mobs qui nous arrangent pas trop. Ici, on peut faire une jolie attaque. On va faire ça d'abord. Comme ça, on va tuer un max. Let's go. Hop. J'en profite, les gars. J'essaie de faire un joli try pendant que j'y suis. Le... Bon, du chevalier pour tout tuer en zone. Et on va traverser comme ceci. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'on peut gagner un petit peu de points sur lui? Alors, je pourrais pas le tuer, malheureusement. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé. Tant pis.
On va peut-être perdre un chevalier. Alors, tiens, bah, j'ai pas essayé. Peut-être que si on perd un chevalier, on perd le combat. On va voir ça tout de suite. On a une tombe, vous êtes mort. C'est marrant ça en vrai. C'est marrant. Donc on n'a pas l'air de perdre le combat. Ça a l'air de continuer tant qu'on a au moins un chevalier sur le terrain. Donc voilà, bah, c'est bon à savoir, vous le savez comme ça. Très très bon à savoir. Hop. Alors. On va faire ça comme ça. Nickel. Je pense que je vais venir faire un petit bond juste ici. Ok. Alors, je pourrais rejouer comme ça. Est-ce qu'on peut faire un petit bond là-bas? Ça me semble un peu compliqué quand même. Hein. On pourrait faire... non, je pense qu'on va juste tuer là. Et c'est déjà pas mal. Hein. Je crois que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. Hop. Et on va faire ça comme ça. Il a 3 p... ouais, ils ont 3 PM. Oh, je peux me placer comme ça. C'est pas dérangeant. Ok, bon, on a fait 56 000 points. Voilà, c'est mon record. Je l'ai fait avec vous comme ça sur YouTube, vous voyez, au bout du deuxième combat. Donc, c'est vraiment pas compliqué pour le coup. Voilà, à vous de faire ce petit combat. Évidemment, j'ai pris le pass, évidemment, comme un Yanclick. Je suis évidemment un gentil pigeon. Mais voilà, ce combat est vraiment très, très sympa. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et dans l'attente, évidemment, d'un patch du système de guild et de contenu sur le jeu, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt en vidéo, à demain, ciao ciao. Un mot à Chloé, c'est scélérate, une vraie équipe de scélérats. Au micro c'est Fatrat, la chance bon te fait pas de crasse. Mon raclou ici c'est les rats, sur Waven, une vraie équipe.